Vous en avez disputé avec des gens très très haut niveau de compétition, mais sincèrement, 40e anniversaire ou pas, la liste des engagés est superbe, il y a même une liste en plus de concurrents de réserve, c'est magique tout ça. Ouais, c'est excellent, ça prouve que, l'endurance attire de plus en plus de pilotes internationaux. Voilà, on a beaucoup de champions du monde, il y a Mike arrivé, Manuel Poggiali qui vient, beaucoup de pilotes du BSB qui viennent. Ça prouve que le championnat a un attrait, et d'autant plus que cette mythique course des 24 heures attire de plus en plus de monde. Donc je pense qu'il y aura une super bagarre, il y a beaucoup de bonnes motos maintenant avec de bons pilotes. Et voilà, faudra compter avec nous, il y a beaucoup de motos qui peuvent gagner, et on espère gagner une nouvelle fois. Et puis on verra, je préfère pas trop me prononcer moi, j'attends que la course elle parte, on verra, il y a tellement de paramètres à prendre en compte comme la météo. Là on espère avoir quand même beau temps parce que pour la fête, pour le public c'est quand même mieux s'il fait beau. Après on fera avec les conditions qu'il y a, mais bon on espère faire avoir une belle météo et pouvoir faire une belle course pour se donner pour notre équipe, pour le public et puis pour nous-mêmes.